à tous, et c'est Nico, autre vidéo qui m'est venue. Dans le passé, quand j'étais païen, je suis allé à l'hôpital psychiatrique et j'ai rencontré des gens. Et il y avait un atelier où on faisait du dessin. Et maintenant, ça me revient. Voilà ce qu'on avait, ce qu'ils ont dessiné. Vous savez ce qu'ils dessinent? Ils dessinent les démons qui sont en train de les tourmenter. Et ils font ça de manière inconsciente. Voilà, là on a les serpents. Là on a les sirènes. C'était des filles, oui, qui étaient impudiques et qui étaient à l'hôpital psychiatrique en dépression. Donc ils ont de manière inconsciente dessiné leurs démons. Et je voulais parler aussi, moi qui suis allé à l'hôpital psychiatrique et j'ai vu des choses. Je pense que l'hôpital psychiatrique est une arnaque depuis le début et que ça a été inventé par Satan. Comme ça, les gens qui ont des problèmes mentaux, de dépression, qui sont des problèmes spirituels en fait, qui viennent du péché, ils les mettent là-bas et ils les shootent avec des médicaments et comme ça ils vont pas à Jésus-Christ quoi. Ils sont enfermés là-bas avec des camisoles chimiques. C'est ce qui m'est arrivé moi quand j'étais païen. Là, regardez, ça c'est une personne que je connais qui était à l'hôpital psychiatrique. Lui, directement, on voit, il est possédé par une légion. Et il a dessiné sa légion, quoi. De manière inconsciente. L'image parle d'elle-même. Autre dessin qu'il a fait, vous avez vu? Ça, c'est de la sorcellerie. Je pense que cette personne a été victime de sorcellerie et qu'inconsciemment, il le dessine. Et il ne se rend même pas compte de ce qu'il dessine. Ça, c'est clairement un rituel, hein. Ouais, il a dessiné ça. Alors que c'est une personne agressive qui a envie de se battre. Je pense que ça, c'est un démon guerrier. Donc, il est possédé par un démon guerrier aussi. Et il le dessine. Il a dessiné aussi d'autres créatures. Voilà, une chimère. Pour en revenir à cet hôpital psychiatrique, j'ai croisé une femme quand j'y étais. Et elle m'a dit une fois quelque chose qui m'avait choqué. Elle m'avait dit que. Elle se faisait violer régulièrement par le propre médecin qui la suivait. Je pense que la plupart des hôpitaux psychiatriques sont dirigés par des sorciers et des satanistes. Et que ils s'en servent pour assouvir leur soif, quoi. Et ils vampirisent les gens, je pense. Voilà, une autre fille, voilà ce qu'elle dessine, elle dessine des anges. Et puis ces anges, moi quand je les ai regardés de près avec leur visage, ils m'avaient pas l'air gentils. Même s'ils sont blancs, bien habillés avec des ailes, moi ces anges-là m'inspiraient pas confiance. Et aussi ils avaient fait une poterie, il y avait un atelier poterie aussi. Et vous avez regardé ce qu'ils ont fait, un échiquier avec des pièces, mais c'est des pièces égyptiennes quoi. Donc on a Pharaon, on a le dieu Seth. Ça, je pense que c'est pas anodin aussi. Pour moi, la plupart des gens dans les hôpitaux psychiatriques, ils sont possédés par des démons. On les traite de malades mentaux, de schizophrènes, de dépressifs, de suicidaires, mais c'est des gens qui ont des problèmes spirituels. Et que l'hôpital psychiatrique a été inventé par Satan pour tous ces gens, on les stocke là-bas et on les shoote. On les shoote avec des médicaments, comme ça, ils sont écartés de la ville, quoi. Ils sont cachés. Et puis surtout, on ne leur explique pas la vérité, quoi, que c'est un problème spirituel. Oui, les autres pions de l'échiquier, c'était des Gaulois, avec des cornes, des druides, des potions magiques, ça aussi. Un druide, il faut savoir, c'est un sorcier. Ils nous ont bien eu avec Astérix et Obélix. C'est de la sorcellerie dedans aussi, quoi. Ils font passer le druide aussi pour quelque chose de sympathique, alors que c'est un sorcier, hein. Tout ce qui est celte, druidique, c'est de la sorcellerie. Ils faisaient des sacrifices d'animaux, puis des sacrifices humains sûrement aussi. Et moi aussi, bon, quand j'étais là-bas, en étant païen, je faisais une dépression.
Pareil, j'avais fait une poterie, j'avais dessiné, j'avais fait un dragon en poterie. Et je dessinais aussi autre chose. Voilà, ça je le dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que j'avais un moment, je prenais une feuille, je dessinais ça. Ça, c'était le démon qui me tourmentait. Je pense que c'était un démon de peur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, la prochaine vidéo.